Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Autour du Monde, édition Afrique. On commence tout de suite avec la pisciculture. En fait, c'est l'Égypte qui se classe au premier rang en Afrique pour la pisciculture, au sixième rang mondial dans ce domaine et au troisième rang mondial pour la production de tilapia. L'Égypte réalise ainsi son autosuffisance en poissons qui provient de la pisciculture et œuvre ainsi à restructurer ses lacs pour augmenter la production. Voici les détails. Docteur Mohamed Fahim, conseiller du ministre de l'Agriculture, a déclaré que l'Égypte surplombe la Méditerranée et la mer Rouge et qu'elle avait des lacs mais n'avait pas de grande quantité de poissons et c'est parce que le stock de poissons en Méditerranée est faible ainsi qu'en mer Rouge. Monsieur Fahim a ajouté lors d'une entrevue accordée à la chaîne Sadra Al Balad ou l'écho du pays que les pêcheurs égyptiens se rendent en mer d'Oman et en Somalie car le stock de poissons y est important. Il a poursuivi que l'Égypte avait mis en œuvre d'énormes projets pour fournir de la richesse halieutique grâce à la pisciculture et qu'elle est devenue le numéro un de l'aquaculture en Afrique. Monsieur Fahim a expliqué que l'Égypte est le numéro un de la production de tilapia en Afrique et le troisième dans le monde et qu'elle avait réalisé l'autosuffisance en poissons qui provient de la pisciculture et que nous travaillons à restructurer les lacs pour augmenter la production. Notant que l'Égypte se classe au premier rang en Afrique pour la pisciculture, au sixième rang mondial dans ce domaine et au troisième rang mondial pour la production de tilapia. Il convient de mentionner que la production égyptienne de pêcherie naturelle de la mer Rouge, de la Méditerranée, du Nil et des lacs appartenant à l'Égypte est de 20% et qu'environ 3% des types de poissons qui viennent en eau froide sont importés de l'étranger, y compris le maquereau et le hareng, dans le cadre du plan fixé par l'État dans le but de fournir une alimentation saine et sûre aux citoyens, les poissons étant un substitut aux protéines animales. Le projet d'El Fayrouz pour la pisciculture à l'est d'El Tafria est le plus grand du Moyen-Orient comparé à l'étang de Ralioun pour la pisciculture, ce qui ajoute une nouvelle réalisation à la série de réalisations de développement global réalisées par les dirigeants politiques en Égypte. Comme je viens de vous le dire, c'est l'Égypte qui a justement réalisé son autosuffisance au niveau de la production piscicole. C'est ce qu'affirme une importante infographie émise par le Centre d'information audiovisuelle du ministère de l'Agriculture. L'infographie souligne que cet exploit a été réalisé grâce aux fermes piscicoles qui ont été inaugurées ces 2 dernières années, dont Al Fayrouz, le lac Ralioun et Al-Deba. Les chiffres et les indices sur le progrès de la pisciculture en Égypte sont surprenants, affirme-t-on dans l'infographie, en révélant que la production égyptienne en poissons s'élève à 2 millions de tonnes chaque année, justement, dont 1,6 million de tonnes obtenues de la pisciculture. Ces chiffres, je vous le rappelle, ont valu à l'Égypte la première place en Afrique et la sixième à l'échelle mondiale. Et justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Mustapha Tamem, qui est professeur en sciences politiques. Bonjour, Dr Mustapha Tamem. Bonjour. Voilà, quand on parle de l'Égypte qui occupe aujourd'hui justement cette première place en Afrique, ce qui est vraiment plus important, c'est l'idée de réaliser l'autosuffisance. C'était si important pour l'Égypte de réaliser son autosuffisance au niveau de la production piscicole, c'est vrai? Certainement, ce projet est très très important. Si vous voyez qu'est-ce qui arrive au monde entier maintenant, on a une crise économique Oui. et certainement ça donne un effet négatif, pas seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Mais maintenant, l'Égypte a pris des pas pour réduire ces effets négatifs par avoir ces projets-là qui sont très très importants. Pour avoir la dépendance du pays. On va pas dépendre aussi des facteurs extérieurs, parce que comme vous savez, maintenant, le commerce avec le monde extérieur, peut-être il y a beaucoup de troubles avec la guerre d'Ukraine,
Et certainement, l'Égypte a une stratégie qu'elle veut être dépendant sur elle seulement. Très bien. Justement, on parle des projets de pisciculture qui ont été inaugurés ces 2 dernières années et qui ont certainement contribué à cette autosuffisance. Quel impact d'un côté sur le citoyen, mais aussi sur les plans pour exporter, par exemple, une partie de la production? Certainement, ces projets-là, on a beaucoup des avantages. Les premiers avantages, certainement, ça va nous donner une quantité suffisante pour les citoyens, pour les demandes de ces produits-là, ici au marché local. Numéro 2, ces projets-là aussi vont donner beaucoup de chances pour avoir du travail pour les Égyptiens, parce que Oui. ça va réduire le nombre de gens qui ne trouvent pas de travail. Numéro 3, certainement, ces projets sont très, très importants parce que la stratégie de l'État, c'est d'avoir un plan en long terme, pas pour 2 ou 1 an. Et certainement, ça aussi, ça va donner un pouvoir pour le futur aussi. Ça, c'est très, très important. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Mustapha Tamem. Vous êtes professeur en sciences politiques. Merci. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, on enchaîne avec le chef de la junte au Niger qui promet une transition de 3 ans et qui est en garde contre une agression, justement, ou contre une intervention militaire visant son pays. Voici les détails. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, arrivé au pouvoir par un coup d'État, a assuré samedi soir que la période de transition ne pourrait pas excéder 3 ans, tout en mettant en garde les pays étrangers contre une intervention militaire visant son pays. Notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir, a déclaré M. Tiani lors d'une allocution télévisée, précisant que la durée de la transition ne saurait aller au-delà de 3 ans. Si une agression devrait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient, a-t-il mis en garde au lendemain d'une décision de la CEDEAO se disant prête à une intervention armée. Dans ce discours d'une douzaine de minutes, le général Tiani a annoncé le lancement d'un dialogue national qui dispose de 30 jours pour formuler des propositions concrètes en vue de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle. Cette allocution intervient après la visite plus tôt dans la journée d'une délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest afin de chercher une solution pacifique à la crise. Le général Tiani a poursuivi sans citer des pays que la CEDEAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en collaboration avec une armée étrangère. Il a également dénoncé des sanctions illégales et inhumaines de l'organisation ouest-africaine. Depuis le 30 juillet, le Niger est sous le coup de lourdes sanctions financières et commerciales imposées par la CEDEAO, qui souhaite le retour du président déchu, Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le coup d'État du 26 juillet au pouvoir.
Voilà, du Niger direction le Maroc pour parler justement de la fantasia marocaine qui est généralement perçue comme une tradition masculine à laquelle tout le monde peut participer. Cependant, des femmes marocaines ont décidé de briser plutôt ce stéréotype en organisant des bourridas où les cavaliers sont en réalité des cavalière. Voici les détails. Des cavalières et leurs chevaux étaient à l'honneur lors du festival de Yacoub El Mansour à Rabat. Au centre de l'événement, la tbourida, l'art équestre marocain. Le terme dérivé du mot arabe baroud signifie poudre à canon. C'est la reconstitution d'une attaque militaire lancée contre des ennemis par des cavaliers arabes et amazighs. Des compétitions de tbourida sont organisées chaque année dans toutes les régions du Maroc. J'ai commencé à faire de la tbourida en 2007 et j'ai participé au trophée de la tbourida Hassan II en 2009, où nous avons obtenu la deuxième place. J'étais la plus jeune lors de cette compétition alors que les autres participants étaient âgés de 18 à 34 ans. Participer au festival de Yacoub El Mansour à Rabat est un honneur pour nous et nous souhaitons à tous beaucoup de succès dans l'avenir. C'est ce qu'a expliqué la présidente de l'association Al-Houzia Troupe Tbourida. Encore appelé Fantasia, cet art date du 15e siècle. Le groupe de cavaliers de chevaux qui courent dans la tbourida est composé de 11 à 15 cavaliers alignés sur une ligne de départ et est dirigé par le mqdem qui prend place au centre de la troupe et coordonne les mouvements des hommes et des chevaux. La tbourida fait partie de notre patrimoine culturel ancestral. C'est aussi une passion très ancienne qui se transmet dans plusieurs générations. Dieu merci, nous avons préservé ce patrimoine culturel jusqu'à nos jours et comme vous pouvez le constater, il y a eu une évolution. Une évolution avec la place prise sans nul doute par les femmes, mais aussi sa reconnaissance à l'échelle internationale. La tbourida est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2021. Voilà, Madame, Monsieur, c'est ainsi que prend fin cette édition de Tour du Monde, édition Afrique. Merci de l'avoir suivi et à tout de suite.